Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector. On se retrouve avec les sœurs de bataille pour continuer notre avancée sur ce sympathique terrain. Alors, lors du dernier épisode, j'avais dit que j'allais faire un petit coup d'amélioration puis ensuite renforcer. En fait, j'ai changé d'avis. Je pense qu'on va aller chercher ces points d'armée là, 100 points, avec nos 2000 actuels. Parce que sinon, l'orc peut tout à fait aller chercher en un tour là en allant ici en attaquant là. C'est le dernier truc temporaire sur la map. Donc si on le prend, ça nous donne un petit bonus pas dégueulasse. Et on pourra renforcer derrière pour être prêt à une éventuelle contre-attaque des Nécrons. Sachant qu'on a quand même encore moyen de prendre quelques troupes, même sans amélioration. Hein. Reprendre peut-être quelques Repentia parce qu'elles sont un peu fait défoncer les pauvres. Il nous refaut des séraphines, il faut qu'on recharge également en sœur. Enfin, il y a de quoi faire sans qu'on soit obligé d'aller prendre les améliorations. Donc on va faire cet assaut là. C'est parti. Et après on renforce. 2000 contre 1950, on peut pas faire d'auto-résolution. Bah c'est parti. Ça devrait aller. Je suis pas trop inquiet. J'ai pas pris beaucoup de photos dans ce let's play, c'est vrai que je trouve les unités des sœurs de bataille peut-être un peu moins photogéniques. Il y en a des sympathiques, mais c'est surtout les animations et les musiques qui les rendent sympathiques, plus que les scènes d'action. Certainement parce que j'aime pas trop leurs armements, enfin j'aime pas trop leurs armements. Il est très fort, mais le bolter modèle Godwin là, c'est pas, vraiment pas mon truc, et du coup j'aime pas le prendre en photo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? D'exorciste sur le flanc, ça me plaît pas trop. On va certainement le mettre plutôt. Alors, putain, par contre, où est-ce qu'on va passer? Ah, si, ici on peut passer. Donc, on va le mettre là. On va mettre les hospitalières derrière, comme d'hab. Là, on a des célestines avec la sœur supérieure. Là aussi, de la célestine. Plutôt mettre les séraphines devant pour pouvoir voler. Ici, on va plutôt mettre les arcoflagellants là, puisqu'ils vont. Ils vont aller en éclaireur. Ok, bah allons-y comme ça. On a vraiment une zone de déploiement complètement bouchée. On va plutôt aller là, comme ça on verra un peu ce qu'il y a devant, alors qu'ici on aura un angle de vue de merde. Ok, ça va, c'est pas non plus. Attends, on peut même pas se foutre là. C'est vraiment du couloir là. Bon, après on sait aussi que normalement ils sont trop loin pour venir nous emmerder dès maintenant. Là on va la mettre là au cas de besoin de protéger l'unité QG, donc on va te mettre derrière avec une Célestine en renfort. Mettre une machine de pénitence et quelques sœurs sur ce flanc, c'est un peu plus dégagé, avec une hospitalière pour aider. Toi tu vas aller là. On va mettre des séraphines ici. Enfin qu'elles avancent un peu plus, mais bon. Pour l'instant ça fera le taf. Ok. Alors on va couvrir les flancs quand même. Parce qu'il peut y avoir des enfoirés qui se pointent sur les côtés. Toi, non, tu risques de cramer des gens si tu te mets en surveillance, donc plutôt non. Là, on va se tourner par là. Là, on se tourne par ici, c'est parfait. Là, on est tourné par là, on va couvrir devant. Toi, bah, au cas où quelque chose se faufile. Hein. Pareil là. Toi, par contre, tu peux couvrir quand même une assez grosse zone. Si on se tourne par là, là on fait rien. Là on va couvrir devant. Devant. Ici on va couvrir les arrières. Pareil pour toi. Pareil ici. Là c'est déjà fait. Les séraphines qui sont là, bon, on va les mettre derrière. Alors il nous reste la machine de pénitence, les arcoflagellants. C'est bon, on est parti. Je m'attends pas à ce qu'ils arrivent tout de suite, hein, mais ça coûte rien de surveiller. Puis on peut peut-être caler un petit missile s'ils se précipitent. Eh bah quoique, ils arrivent sur nos arrières direct.
Ouais, elle commence à faire des dégâts, hein. Bon, par contre, elles sont pétées les fesses aussi. Un deuxième tir, peut-être. Ok, il y a du monde là, faut qu'on se redéploie. Oh, il y a beaucoup de monde ici, sur la gauche. Il va nous falloir des séraphines pour passer ça. 8 tirs. Aïe, aïe, aïe. Ah, vache, cette unité est en train de se faire dépouiller. Alors, ça c'était une unité hyper expérimentée en plus, faut qu'on la sauve. Hein. Donc on va directement soigner ce qui reste et la replier après probablement. Ça, ça a de l'armure, hein. Ouais, 4 d'armure, allez, hop. On est parti. Presque. Ici, est-ce qu'on peut caler un petit missile? Ouais, on est bien là. 84% de chance, bah, ils sont bien protégés, mais vu qu'on attaque en boucle, en hauteur, ça change rien normalement. Faut juste pas rater. Oh putain, 90% de chance on rate quoi. Sérieux. Là va falloir voler. On pourrait peut-être... Non, on pourrait pas aller chercher cela. On va quand même aller se protéger devant. Ok, on active ça, on allume. Ça c'est fait. Ensuite, un point d'action supplémentaire pour optimiser les munitions bénies. On allume. Est-ce qu'il ressuscite? Non. On est fini avec un peu de bol. Je pense que non, ils ont trop de PV encore, mais ah, quoi que. Allez, pas de ressuscitation. Il y en a un qui revient. Ok, très bien. Donc vous allez vous replier. Ici, au pire, on pourrait tirer là, mais ça me plaît pas trop. Alors, eux, ils ont combien de mouvements? 3 de mouvements. Donc ils peuvent faire 1, 2, 3. Ils peuvent venir au contact ici. Donc là, on va certainement se mettre en surveillance. Question étant, est-ce qu'on contourne? 1, là on peut pas y aller, ça c'est un truc, donc ça veut dire qu'il faut faire 1, 2, 3, ils peuvent aller jusqu'ici. Eux par contre peuvent avancer en ligne droite. Donc si on se met là, en surveillant sur lance-flamme, on est pas mal, et on couvre les flancs là. Et du coup, il faut qu'on commence à se replier par là. Toi, fais de la place. Rien là, on va peut-être pouvoir mettre au moins un tir ici avec elle. 99% c'est propre. Ok, il reste plus que du corps à corps. On n'a pas grand chose pour tenir du corps à corps malheureusement. On va reculer avec elle. Là on va couvrir ce flanc en cas, au cas où. Si on va faire un long move pour se précipiter par là, pareil ici. On va mettre des protections très lointaines, mais on est très loin, donc c'est comme ça. Ici, est-ce qu'on passe devant? Non, on va pas passer devant, on va passer par derrière. Ça me plaît mieux. Oh, j'aurais pu rentrer dans le... rentre là-dedans. Et on trace. On va quand même se tourner au cas où il y a des trucs derrière nous, même si j'y crois pas. Toi, tu fais une petite protection là. Si on va gagner une PA de plus. Qui a encore des points d'action? Elles ont des points d'action. On va mettre une petite couverture, ça mange pas de pain. Là on a du point d'action, là on a du point d'action, mais ça nous sert à rien. On est d'accord, il reste plus que cela. Et bien c'est parti. On va devoir encaisser l'assaut là.
Elle, il faut qu'on les sauve. Ça va pas être simple, mais il faut qu'on les sauve. Ok, on a un chef qui arrive là. Un autre ici. Ah, il peut venir là finalement, d'accord. C'est peut-être notre machine qui pouvait pas y aller. L'attaque de flanc qui fait quand même assez mal. Hein. Bon, on est hyper loin. Hein. Mais ouais, franchement, on commence à peser hein, avec les dégâts à distance là. Parce que ce truc là, quand même, 6 d'armure. Waouh! On se détend? Ah ouais, il est capable d'attaquer deux cibles avec ce truc. Intéressant. Voilà, on leur a fait un petit peu mal, même si ça reste relatif. Et ils font quoi? Ils chargent, attaque de réaction. Ok, on était capable de les supprimer, c'est pas mal. Ok. Alors là, ils se sont super mal placés, je peux pas leur mettre de lance-flammes, c'est bien dommage. Et ici, on a le bolter lourd qu'il va falloir qu'on active, un petit lance-missile à 84. Allez, tu peux réussir à faire mal à ça quand même, je pense. C'est honnête. Et avec ton bolter, c'est 4 de portée. Donc tu t'approches. Ouais, tu peux tirer là-dessus. Ça va, franchement ça va. Merde, là si on fait ça, on prend un dégât, on vient là. Ici. Puis là. Et on leur crame la tronche au fuseur. Ils sont pas morts, très bien. C'est pas très grave, l'hospitalière va aller faire un petit soin là, je pense. Et nous. On va utiliser nos tireurs pour se débarrasser de ce qui nous arrive dessus. Ça va pas être hyper optimal parce qu'ils ont une grosse armure. Mais c'est pas grave. On a beaucoup de monde avec des armes de tir à cet endroit là. Alors que là par contre... On peut se paquer. Toi tu vas aller par là. On va envoyer des Célestines ici. Et toi, le petit sermon de combat qui va pas faire de mal. Est-ce qu'on peut charger avec ça? Tiens, on va tenter. Pas mal, ça les a même repoussés. Très honnête, ça veut dire qu'on peut se faufiler là en volant et mettre un petit coup de fuseur sur le bleu là. Parce qu'il les picote un petit peu quand même. Hein. Ensuite, on se faufile là avec elle. On allume ici. Rentrer un de plus, non dommage. Là malheureusement on est coincé ici, si on bouge on se prend une attaque. Mais on doit pouvoir je pense terminer lui. S'il ressuscite pas bien sûr. Ressuscite, il ressuscite pas visiblement. Ok, c'est à dire qu'on dégage de la place. On peut se faufiler jusque là. Et avec eux là, on les prend de flanc. Ah,
Et eux, ah non, ils ont déjà bougé au maximum. Bon, ça va, c'est pas trop mal quand même. Maintenant, il faut qu'on élimine tout ce qui est là. Pour ça, on a quand même du monde. Allez, feu. Honnête, il nous faudra une sorte de bataille ouais, qui a du perçage d'armure sur lequel du coup on pourrait avec l'hospitalière mettre un point d'action de plus. Vas-y, allume ça. Avec le perçage d'armure là, ok nickel. Toi tu viens là. Tu nous mets un petit point d'action supplémentaire. Là, du coup on est capable d'avancer et d'allumer ici. Avec les munitions bénies. Ok, c'est correct. C'est franchement correct. Lui, il lui reste combien de PV? 17 PV. Allez vous. C'est votre heure de gloire. Finissez-le. Joli. Allez vous foutre en sécurité. Il nous reste une hospitalière là, on pourrait la rabattre par là-bas. J'aurais pu soigner un peu, mais c'est pas grave. Là, les Célestines, elles vont avancer. Elles vont finir ça. Ok, on fait du point là, c'est cool. Non, toi tu vas peut-être pas aller devant comme ça non plus. On va te protéger un peu. Et les renforts. Allez hop, on décharge. On se met devant. Toi tu vas couvrir, donc tu vas peut-être mettre un petit nuage de fumée là. Ici on court. Ici on va quand même pas laisser trop tout seul la machine là. En cas de besoin, on va couvrir l'avancée par là, vous allez surveiller de ce côté. On n'a plus moyen de finir lui, mais bon, on devrait quand même être plutôt bien. Alors, il reste toi 51% de chance. Une fois de 42 dégâts à 50% de chance, non, on a très peu de chance de le finir, on va pas activer nos compétences pour ça. On va se mettre en couverture. Et on termine le tour. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a une artillerie? Ok, non, il arrive de ce côté. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie encore? Il nous a one-shot un arco-flagellant. Enfin, un modèle. Engagé. Alors, on voit pas le truc qu'il a activé. Il a l'air d'activer une compétence là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mécanoptère. Volant, 5 d'armure, projecteur de particules. 8 attaques, 3 de portée optimale. C'est beaucoup rapproché du coup. On peut l'attaquer avec les 6 circulaires du pénitent. Dans leur dos et on les attaque à coups de fouet électrique. Voilà, ça les calme un peu. On se resserre les rangs quand même. Et ici, bah c'est à vous de jouer hein. Pas sûr qu'ils soient capables de le finir, si ça va. Ok, on est à 75, donc il faut qu'on se regroupe. Il y a quelque chose quelque part. Il y a quelque chose quelque part qui nous perturbe là, qui nous prend des points. Donc on va reformer une ligne par là. Le
protéger sur le flanc par eux. Au passage, on va mettre un petit coup de soin. Hop. L'exorciste, on va le mettre par là-bas. Vous, vous bougez. On va vous protéger avec. Toi, tu vas là. Un petit soin ici, même si ça reste relatif. Alors c'est parti, on couvre là. Toi, tu vas couvrir devant, quand même plus de chances que ça arrive par là. Des petites célestines, la sœur supérieure également, hop, devant. Une petite couverture sur le côté, même si je pense que s'il avait d'autres choses ce serait déjà arrivé. Là on va surveiller derrière. Et il nous reste une séraphine, j'ai vu. Là oui, fou. C'est pareil. Et la petite hospitalière ici. Ok. Voyons voir où sont les ennemis qui restent. Si de ce côté quand même. Non. Bizarre, je sais pas pourquoi la caméra zoom comme ça là. Ok, ils arrivent en masse par là. Bon, normalement il suffit qu'on en limite 1 et ça suffit. Allez, le petit missile là, ce serait propre. Non, putain la vache, notre artillerie, elle veut pas hein. Ok, bon, alors on peut peut-être terminer en une fois. On y va avec toi. Un petit relance-flamme là-dedans. Pas qu'il ressuscite bien sûr. Putain, il ressuscite tous les deux. Sale bête. Toi viens là, mets un coup de soin. Et après on charge. Plus 5 et on est à 80. C'est bon. GG les gars, j'ai envie de dire. Ok, un petit 100 points supplémentaires. C'est pas mal. Du coup, on va renforcer. Alors, on va reprendre une sœur, Repentia. On les a toutes perdues. En même temps, elles sont plus ou moins faites pour tomber, hein, mais... C'est quand même pas... Elles sont quand même un peu fragiles, hein. On reprend une sœur comme ça, un jour on arrivera à les garder. Elles ont peu de PV, hein, c'est pas facile de les garder. Est-ce qu'on reprend... il nous refaudrait une comme ça. On va leur mettre un pistolet inferno exactement. Et puis de la Célestine supplémentaire pour commencer à avoir un petit peu d'XP avec. Il va falloir qu'on leur achète des nouvelles armes. On est à 2400. Des arcs au fléau, on en a trop, ça bouffe. Hein. Est-ce qu'on se reprendrait un exorciste? C'est quand même 240 points. C'est vrai que quand il touche, il fait mal. Hein. Allez, une deuxième artillerie. Et là, on est quand même très bien niveau point. On va garder quelques points. On ne peut mettre que 30 unités dans notre armée en plus. Donc c'est renforcé. Passons le tour, alors on va voir comment l'orque réagit. Il est plus ou moins obligé de nous contre-attaquer, hein. Il n'a pas trop le choix. En auto-résolution. Putain, c'est ouf le nombre d'unités qu'on perd quoi. Mais on gagnerait dans tous les cas, j'espère bien, vu qu'on a quand même presque 1000 points de plus. On va la faire, hein, bien sûr. Par contre, je pense qu'on va la faire lors du prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être mettre fin à l'orque. Ciao ciao tout le monde!